Non, bing, bing, tu cours, bing, bing. Mais tes mains sont là, vous travaillez comme ça. Et c'est impeccable. La semaine prochaine, le boxeur calaisien Romain Jacob affrontera Karim Chakim, licencié à Lille. En jeu, le titre de champion de France professionnel des super plumes. Un combat à gros enjeux, notamment pour le calaisien moins expérimenté, qui en cas de victoire espère pouvoir ensuite disputer un titre européen. Le championnat d'Europe, il est en ligne de mire, puisque Karim Chakim est un boxeur de niveau européen. Donc j'espère qu'en décrochant cette victoire, ensuite j'aurai une opportunité de disputer le titre de champion d'Europe. Avant cela, il faut s'imposer dans ce qui semble être le combat le plus important de la carrière du Calaisien. Du coup, la préparation a été intense, surtout côté physique. Bon là, on termine les mises de gants. On a préparé plus ou moins pareil que les anciens championnats de France. Mais bon, là, on a accentué encore un peu plus le travail physique, puisque Karim Chakim est quelqu'un de très résistant et physique. Donc, on a mis un peu les bouchées doubles. Mais on a pris aussi des sparring partners de haut niveau. Vendredi 16, Romain Jacob et Karim Chakim seront sur le ring à Calypso à Calais, une salle qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Les mains bien haut.